Mahomet a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués. On sait que Mahomet parlait souvent des chiens. Mahomet dit, « Celui qui garde chez lui un chien voit chaque jour le salaire de ses bonnes actions diminuer d'un kira, sauf un chien de chasse ou pour garder les troupeaux et les champs dans une autre version de deux kiras. » Le kira, explique Mahomet, est semblable au mont Oud. Mahomet a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués. Aïcha, la femme de Mahomet, rapporte, Gabriel promit au messager de Dieu de venir chez lui à telle heure. Mais cette heure passa sans qu'il n'arrivât. Elle dit, deux tenaient dans sa main un bâton. Il le jeta en disant, « Ni Dieu, ni ses messagers, les anges ne manquent jamais à leur parole. » Puis il se retourna et vit tout à coup un chiot, jeune chien, sous son lit. Il dit, « Quand est entré ce chien ?» Je dis, « Par Dieu, je ne sais pas. » Il ordonna aussitôt de le sortir. Gabriel arriva alors. Le messager de Dieu lui dit, « Tu m'as promis de venir et je me suis assis à t'attendre. Tu n'es pourtant pas venu. » Il dit, « Jean a été empêché par le chien qui était chez toi. Nous n'entrons pas en effet dans une maison où il y a un chien ou une image. » Le lendemain, Mahomet ordonna de tuer les chiens. Mahomet dit, « Lorsqu'un chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, il faut le laver 7 fois et la 8e avec de la terre. » Une autre variante de ce récit dit qu'il faut laver le récipient 7 fois, dont la première avec de la terre. Mahomet dit, « La prière est interrompue et donc doit être refaite par le passage de l'âne, de la femme et du chien noir. » Selon une variante de ce récit, la prière est interrompue par l'âne, le mécréant, le chien et la femme, et une autre variante, la prière est interrompue par le chien noir et la femme ayant ses règles. On demanda à Mahomet pourquoi pas le chien jaune ou le chien rouge. Il répondit, « Le chien noir est un Satan. » Mahomet dit, « Les anges ne vont pas en compagnie de gens qui ont un chien ou une cloche. »